de la Vierge Marie et de son époux Dagbo du Esprit Saint ce mercredi 18 mars 2020 au stade Mathieu Kérékou de Kourounou à Cotonou. Voici la réponse des Dagbovies. Ils étaient des milliers de par le monde à répondre favorablement à cette invitation de la Cour Céleste. Un rassemblement d'une importance capitale aux yeux de la Mère de l'Humanité qui a voulu bénir et guider ses enfants dans la nouvelle vie qui les attend. Autrefois, vous étiez dans le monde en proie aux difficultés, cherchant tant bien que mal votre équilibre. Longtemps, vous étiez à la recherche de Dieu que vous avez fini par avoir la grâce de rencontrer. Que toutes les grâces que Dieu, le Créateur de l'univers, vous a conférées depuis, que sur le chemin de votre vie, vous avez eu la chance de le croiser, vous sauve ainsi que toute votre famille des affres de la misère. Qu'elle vous sauve ainsi que toute votre famille de l'indigence. Qu'elle vous épargne les tentations, qu'elle vous délivre de toute forme de malheur en ce monde. C'est tenant à prononcer ma bénédiction maternelle sur chacun parmi vous que je me suis résolue à être présente à cette spéciale manifestation. Je suis venue pour vous faire faire l'ultime pas vous permettant de transcender l'ancienne vie afin d'accéder à la nouvelle vie à laquelle vous avez été élu. À cette occasion, Dagbo du SPC a réaffirmé son amour incommensurable ainsi que celui de son épouse Odagbovi, à qui il a expliqué l'importance de cette cérémonie qu'a présidée la Vierge Marie. Mon amour pour vous est sans mesure. Il surpasse, supplante et au-dessus de tout. Je ne sais à quoi le comparer. Cet amour est plus vaste que l'océan. Il est plus étendu que l'univers entier. Votre mère vous aime autant. Elle vous aime à la démesure. Et c'est la raison pour laquelle elle a voulu vous tenir les mains pour vous faire entrer dans la nouvelle vie à laquelle vous êtes appelé. Au très Saint-Père, le pape Christophe XVIII d'inviter ses frères et sœurs d'Agbovie à une obéissance absolue à son éternité. Soyez obéissants, car nous rendrions la tâche plus facile au Très-Haut si nous lui étions dociles. Est-ce que vous me percevez un peu? Si nous pouvions un temps soit peu prendre en compte l'amour que Dagbo et tous les saints du ciel manifestent pour nous, si nous pouvions prendre en considération la place que nous occupons dans son cœur en tant que fils, la dignité à laquelle il nous a élevés et le fait qu'il nous ait choisis comme héritiers et élus pour la vie éternelle, nous respecterions scrupuleusement toutes les prescriptions de Dagbo, Dieu l'Éternel. Rendez-vous est donc pris pour le 18 avril prochain sur la très sainte colline d'Ézéchiel, où tous les fils et filles d'Israël vibreront aux sonorités de la cour céleste.